Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, immersion à Chiconi. D'accord, immersion à Chiconi. On va commencer vers le haut de Chiconi, c'est-à-dire vers le collège de Chiconi. Je vous souhaite un très bon live. N'hésitez pas à partager, à liker. Alors, je vous souhaite un très bon live. Donc ici, on est près de l'école maternelle, ici. D'accord. On n'est pas loin du stade, aussi. Je fais quelques manipulations. Après, on est parti. Allez, Chiconi, ceux qui veulent visiter Chiconi avec moi, c'est parti. Nous sommes partis. Immersion à Chiconi. N'hésitez pas à partager. On est parti. Donc cette portion de route que je prends ici, c'est pour aller vers le collège de Chiconi. On essaye un petit peu de se faufiler à droite à gauche. Comme vous le savez, on ne va pas toujours avoir le réseau avec nous. Des fois ça va capter, des fois ça ne va pas capter. Donc à prendre en compte que ici ça ne capte pas partout. C'est pas partout qu'on va avoir du réseau. À Mayotte, vous le savez. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. GG Lagoni, GG Wawali Wawo, GG Wana, GG Hazi, Wawali Hazini, Wawakawasi Hazini, GG Stongo. Mouafid. Chiconi les amis, on est à Chiconi aujourd'hui. Collège se trouve où? On prend les rues, hein. Je pense que le collège se trouve au fond, mais alors ici on a une mosquée. On a une mosquée ici. Alors la mosquée qui est en rénovation, il y a les gens qui travaillent. Allez, partagez le live, s'il vous plaît. Donc la mosquée qui est en train d'être retapée, une très belle mosquée, petite mais belle. On dit jamais que c'est petite, elle est grande, c'est une grande mosquée. Parce que c'est la maison de Dieu, tout est grand. Donc euh...
Allez, on partage le live, les amis. On partage le live. N'hésitez pas à partager le live. Donc ici, on va en monter. Alors, le collège, il est où le collège? Que je vois. Que je vois, il a. Un collège. Ok, le collège, il est un petit peu plus loin. Chikoni, Chikoni, Chikoni. Allez, ceux qui sont de Chikoni, là, partagez sur votre profil. Ceux qui résident ici, partagez. Non, mais hey, qui bouge. Ça va comme. Un homme hey, qui bouge. That's me. Hey. That's me. Hey, rati. Ambashongati rati. Voilà. Allez, partagez, partagez. On partage, les amis. On partage. Je suis chez vous, ceux qui habitent à Chikoni. Alors, on va prendre la petite rue qui monte. Hey, Siroua, où les poulies? Donc, ici, une petite portion de route. Voilà, une petite portion de route ici. Alors, les amis, là, on est en live. Hein. On n'est pas en décalé. On est en direct. D'accord, profitez bien de regarder, de voir les choses, de voir ce qui se passe. D'accord, c'est des moments uniques avec vous. Alors ici on a des parkings un petit peu bizarres aussi, comme ailleurs. Donc on se part, une route qui monte. Vous voyez l'état de la route, et là imaginez quand il pleut, c'est impossible d'accéder parce que c'est très dangereux, très glissant. Donc j'imagine pas le propriétaire qui vit en haut. Donc la mairie doit l'aider à mettre, doit lui mettre tout simplement une route ici pour lui faciliter d'aller chez lui tout simplement. Allez, partagez les amis, partagez, partagez. Nous sommes à Chikoni. Chikoni. Ça va comme. Ah, ça va un peu. Alors ici. On a un petit croisement vers la route qui mène vers le collège. D'accord. Ici, une autre portion de route qui mène vers le centre-ville. Donc, on va s'étendre un tout petit peu. J'ai peur qu'on n'y ait pas de réseau quand on monte cette portion de route-là. J'ai peur qu'on n'y ait pas beaucoup de réseau. Mais on tente le coup quand même. Qui tente rien à rien. Donc j'espère bien vous faire profiter. J'espère bien vous faire profiter des images. Vous voyez ici on a des grandes cannes à sucre. Miam miam. La beauté de Chikoni. Alors, est-ce qu'on va trouver des ordures ici? Est-ce qu'il y aura beaucoup de déchets ici ou pas?
Moi, le plus important, c'est de vous montrer le développement, les bâtiments, ce qui a changé. Je ne peux pas prendre tous les accès parce que il y a énormément d'accès à prendre. Je vous demande de partager, les amis, partager sur votre mur, partager sur les groupes, pour que ceux qui sont loin de chez eux, ceux qui sont en France, à La Réunion, Comores, en juin, peu importe, qu'ils puissent voir un petit peu à quoi ça ressemble chez nous. Parce que c'est pas tout le monde qui fait ça en Mayotte, il n'y a que moi qui fais ça en Mayotte, les immersions. Donc, les immersions live, c'est moi. Vous pouvez trouver avec moi, Zocol TV. Eh oui, plonger dans la réalité. On est plongé dans la réalité. Alors ici, il y a une route. Donc, je vous ferai une conclusion bref à la fin de ce que je pense de Chicony au niveau de l'entretien, la propreté. Pour l'instant, ce que je vois, ça me convient au niveau de la propreté. Pour l'instant, je vois pas trop de grands déchets, un stockage massif de déchets. Pour l'instant, j'ai pas croisé. Quelques voitures quand même, quelques épaves quand même qu'on a ici. On a la route qui monte jusqu'au bout, vous la voyez bien. Après, c'est une route en terre, je pense qu'il y a des habitations au dessus. Donc ici, quelques déchets quand même, toujours ça reste la hantise des Mahorais, hein. Les déchets, les décharges sauvages. Donc vous voyez, on vit avec ça. Allez, on redescend. Alors, je fais des efforts pour prendre tous les accès. Et sachez que le réseau ne peut pas être tout le temps avec nous. Des fois, ça va ramer un peu. Donc, je vous demande d'être compréhensif et compréhensive. D'accord ? Pour ceux qui sont sur le live. Chose ici, hein. C'est quelque chose. Alors, on essaye de bien quadriller. On va quadriller bien. Alors, je pense que le collège, il est pas très loin. Donc c'est très grand, Chicony, très grande superficie. Là, je vais être curieux, je passe ici, là je vois un chat qui est allé, je ne sais pas s'il bronze, je ne sais pas ce qu'il fait, on dirait qu'il est mort le chat. Ah non, il est pas mort. Je croyais qu'il était mort. Donc là, c'est des résidences ici, hein. C'est censé être un chemin pour accéder à la résidence qui est là. Donc ici, tout ça, c'est une propriété. Vite que je sors. Normalement, le propriétaire, il est en train de mettre un portail. Mais j'étais bien curieux là pour le chat. Alors, sort vite. Donc là, on est censé aller vers le collège. Salam alaikum. Collège de Hounbe. Ah ouais? Collège de Hounbe. Ouais, attends. Collège? Hein? Là, en fait. Ah ou pas comme toi, André Vandron? Non, non. Tu vas tout droit. Tu montes là-haut. Tu montes jusque là-haut, là-bas, là, il va avoir une autre route là-bas. Oui! Carrément là-haut. Là, après le collège, c'est loin. Ah, c'est loin, ouais. Après, non, je file. Ouais. Tu
bon, je vais de la droite là. Ah, non, je cadrais juste la zone là, ouais. En fait. Mais il faut là-bas. Ah, ok, merci. Hein? Donc, comme vous avez entendu, le collège est très loin, donc on va se baser de ce qui est à proximité de la ville. On va rester à proximité. Hein. On reste à proximité de la ville. Le plus important pour moi, c'est de vous montrer la ville, ce qui s'y trouve. Donc là, ici, on a des petites portions de route en terre. Normalement, ça doit être bitumé. On n'a plus de réseau. Vous voyez que ça capte difficilement. Donc ici on a une petite portion de route là. Ah, il y a des habitations. Alors. Ah, les chefs ont bien trouvé ma soupe, ils ont pas compris le bon endroit. Mauri les rampes à calal, rampes à animaux distants. Donc ici on a des résidences, les petites rues. Ah, pas mal de résidences ici. Donc là on va prendre ce chemin là pour sortir de l'autre côté. C'est assez silencieux, les propriétaires sont partis au boulot. Hein. C'est assez silencieux ici. Il y a quelqu'un là, il y a une boutique. Hein? Je viens bien autour de la cour là. Ah, je passe. Tu passes? Ah, d'accord. Maintenant, on change de jour. Bonjour, Watini. Je suis au collège. Ah, au collège, au collège. Oui. Ah, on va au collège. Ah, ah. Je ne suis pas au collège. Ah, ah. Je ne suis pas au collège. Ah, si, ne suis pas au collège. Ah, na kodzisa tu be sindi na rata wa atsikia mbani. Iyo. Bui. Yao maondo. Ah. Ok. Merci hein. Alors ici, on refait demi-tour, les amis. On revient sur notre chemin. Là, vous avez vu le plus haut jusqu'où il y a des habitations massives. Donc, je reviens sur le chemin. Le réseau, c'est partout que ça coupe. Ah, yo bako yo hazi yo kia. Yo hazi swa ba. Et on se dirige vers le centre-ville. Donc là, c'est le réseau hein, qui... Donc, comme je vous disais, de temps en temps, on ne va pas avoir du réseau à 100%. Donc, si ça bug un peu, c'est que le réseau, on ne capte pas bien.
Donc c'est assez, c'est normal. Donc vous inquiétez pas. Alors on descend. Non, zoko elsa. Vanu maure hunu tamu masbui. Sono senda ba kunzi ba kusunga minru makuni ba kunorim tua sunuka. Na wos parambam tua ho utiamarashi. Benzi sunu tu ba kutu. Oh, atam tu ona hai. Zangale uziara buzurui ba kunzi zimba ku. Mashaka ba. Sabudeka awan bingi tu mana? Oh, kurishia mezao zo. Ah. Ah. Unu pa hasfao hanza, donc kono mori asumje mana. Ah, ou peut-être vale mbingi. Manas mona kas buji. Nam dishin mauvin ma diseo sa tungo zanzi zoyo tungo siri. Ah, baku no. Walira baku. As buivan kamo mta jasa raso. Mana usla la gond baku senda usta mihare baku tungo zanzi. Tajarongo him nyoro baku le mnyoro kaho. Sona baku nzizi zamblunga wani. Sona mna nzizi zamblunga. Na wale zoli. Zo in the Zunget, what to no sonsam to two in Ru, the lack of Sishondra Mohala Sivavoneca was Shondra. I jelly you him out. Dremama Vita Kungi. Ah, l'opposé du collège. Non, mais en fait, je voulais pas vraiment. Non, on a un chat ici qui dort. Alors, ici, on a des déchets. Je viens de voir. Vous voyez, on a un stockage ici, là, qui est un petit peu bizarre. Ça se voit presque pas. En fait, l'objectif, c'est de ne pas. L'objectif, c'est de ne pas filmer le collège. Mais filmer plutôt, faire un zoom du village de Chikoni, d'accord, faire un grand zoom ici. Bon, mon papa y a tout nous en bas. Ah, une place je l'ouvre un peu, on est comme ça sur le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des chemins, et comme j'aime bien me faufiler, alors ceux qui sont de Chikoni, je suis chez vous. Namu invite un jeune batabata. Eh, non, femme, wamu diata. Donc, namu figiri hausur, ma figiri, moudzkoi, chitoma, pas une figiri. Moi, j'aime pas ça, n'hasara, ou mana, wamu mia nouvelle, ou je tue. Donc au moment d'être sur le van, un petit chemin, c'est le voisinage. Ah, lui, il aime bien les plantations, donc c'est bien. Ça se voit qu'il a travaillé à Kokoni, lui. Il a fait le lycée agricole. Alors on a un deuxième chemin qui est là. Ça, ça mène où ? On a toujours une présence de déchets ici. Hein. Alors, on va bien prendre le temps aujourd'hui, les amis.
On va prendre le temps de filmer. D'accord. Alors. Alors ça, j'ai rien compris. Donc vous voyez là, il y a bien des dalles jusqu'au bout. Et là, arrivé ici, petite surprise. Comment on descend? N'importe quoi ça. C'est du n'importe quoi. Et des fois, je sais pas des fois ce qu'ils font là. Alors là, ici, petite rue non goudronnée. Et ici, route non goudronnée aussi. Donc c'est ça la hantise. Comment il fait le propriétaire ici là? Comment vous faites là? Comment ils font? Est-ce que les maires des villes, est-ce qu'ils descendent pour marcher dans les villages pour voir ce qui s'y passe un petit peu? Le propriétaire là, il a beau dire à la mairie, ben moi je voudrais un accès pour aller chez moi. Au moins minimum jusque là. Après il se démerde l'autre. Mais ça quand même. Chiconi. Bon, on capte pas bien ici. On va faire demi-tour. Bon, les amis, il y a des endroits où on n'a pas de réseau. On n'a pas de réseau. On n'a pas beaucoup de réseau. Donc, je vais éviter d'y aller. Donc, là, on fait le tour. Ici, c'est. Il y a. La rénovation. Hey, yo collège, Aou. École primaire. Ah, ok, d'accord. Donc ici, on a la rénovation de l'école primaire de Chiconi, côté haute, vers le stade. Donc, l'école primaire. Alors, on est à l'accès principal de la route, d'accord, vous voyez, hein. Donc l'accès de la route direction, alors ici direction Sada, vers cette direction là, et l'autre direction, c'est quand on va vers Sohoa ici. Direction Sohoa ici et direction Sada ici. Donc nous on reste dans le centre de Chiconi, on va y aller. Donc petit zoom ici les amis, d'accord, vu. Je suis pas en train d'inventer ou quelque chose. Je sais pas, par contre là je sais pas combien de temps c'est là. Hein. Je sais pas combien de temps c'est là. Peut-être ça fait plusieurs semaines ou pas, je ne sais pas, aucune idée. Ça, en plein de centre-ville, tout ça, les épaves de voiture, tout ça, ça doit dégager. Tout ça, on doit dégager ça. Tu vois, là, ça prend de la place pour rien. La ferraille comme ça, ça doit bouger. Et le propriétaire du véhicule, les gens qui ont des véhicules comme ça, ils doivent être sanctionnés. Il faut venir leur assurance pour récupérer leur tas de merde, l'amener à la casse là-bas. Parce que ça prend de la place pour rien du tout. Donc, Chiconi. Donc on va descendre, on s'enfonce dans le centre-ville. Ah là c'est parfait, un matelas. Un matelas ici, bien, voilà. Super, hein. Ah super, super les gars, super. Ça se passe bien Chiconi. On commence à voir un petit peu de la merde là. On commence à voir de la merde. Alors, on va s'enfoncer dans la ville.
C'est pas le maire, j'espère. Donc, la rénovation de l'école élémentaire de Cavani, commune de Chiconi. L'école élémentaire de Cavani. Mais on n'est pas à Cavani ici, on est à Chiconi. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va faire une petite montée pour que vous puissiez voir cette zone-là. Allez, partagez les amis, partagez, donnez de la force. Parce que mon objectif, c'est de vous montrer ce que vous ne pouvez pas voir. Ceux qui sont loin, alors partagez s'il vous plaît chacun sur votre profil. Donnez de la force. C'est important pour moi de me donner de la force pour continuer chaque jour à faire... Salam alaikum. J'ai vas. Hein? Ah, mais c'est un peu. Mais Boulanga, Yahawa. Boulanga? Eh, eh. C'est une chambre, ça, c'est une chambre. Ah, Salam alaikum. Maintenant, c'est une question de quelques secondes. Bon, alors, revenons à nos moutons. Ici, ça monte, d'accord. Moi, je suis à Mayotte, hein. D'accord. J'ai pas peur. Je suis allé dans des théâtres de guerre. Je suis allé dans des zones de guerre, donc moi, j'en ai rien à foutre. Soit c'est toi ou moi. Il y a deux possibilités, deux choix. C'est ça ce que j'ai dit. Il y a deux choix. Soit c'est toi ou moi. L'un ou l'autre. Il y en a un qui va crever. Bon, alors, revenons à nos moutons. On monte ici, petit parking qui est pourri. D'accord. Petit parking qui est pourri. Alors, je sais pas où ça mène. Jusqu'ici, ça s'arrête les travaux. Petite décharge ici, tranquille. D'accord. Alors, est-ce qu'on a du réseau? On a toujours du réseau. Alors là, on rentre dans la forêt. Je ne sais pas s'il y a des bidonvilles là-bas. J'en vois pas d'ici. Peut-être encore plus loin, si on s'enfonce plus loin. Je ne sais pas si on aura du réseau ou pas. Mais c'est ça ce que je cherche aussi, là, les bidonvilles. Je ne sais pas quelle zone ici il y en a. Bon, alors, parking aménagé, mais il y a un petit peu de la boue dessus. Enfin, aménagé, bétonné, tout simplement. Ici, les gens peuvent se garer, mais manque de nettoyage quand même. Manque de nettoyage massif. Eh oui, ça manque de nettoyage quand même. Ah, merci à ceux qui m'aiment, moi aussi je vous aime les amis. Je vous aime énormément, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas, que Dieu vous protège. Alors, on prend ce petit chemin là. Est-ce qu'on va tomber chez les voisins ou pas? Non, c'est un chemin normal. On peut emprunter. Ouais. Ça m'a plutôt l'air. C'est un chemin. Ouais, c'est un chemin. Tout le monde peut accéder, donc il n'y a aucun souci.
Chikone, ça va me donner du fil à retordre. Car c'est grand, d'accord. Il y a beaucoup de zones à quadriller. Qui c'est qui habite à Chikone là? Qui c'est qui vient de Chikone ou qui a de la famille ici sur le live? Invitez-le, partagez-lui la vidéo sur Messenger ou sur votre profil, comme ça il pourra voir chez lui. On a une école maternelle ici. On a une école maternelle là. Ça, c'est une école maternelle. On a quelques décharges ici. Aller un petit peu en hauteur là, histoire de voir. Allez, partagez les amis, partagez. Allez, on partage. Alors, on va se mettre un petit peu en hauteur, parce que moi j'aime bien ça. On va utiliser la hauteur du bâtiment pour filmer un petit peu en hauteur. Vue un petit peu en hauteur de Chikone. D'accord. C'est énormément grand. Il y a du boulot pour quadriller tout. Très grand Chikone. Allez, on partage. Je vous veux nombreux et nombreuses sur le live. Nombreux et nombreuses. Allez, on partage, on donne de la force les amis. Partage dans les groupes, partage un petit peu partout. Mayotte, bienvenue à Chikone. Alors ici, on a des escaliers qui montent. On va monter un peu. On va aller au minimum jusqu'au carrefour. Il y a des routes partout. Alors, on va monter un tout petit peu pour voir aussi. Parce que quadrillé partout.
pas vraiment ça. Il y a une propriété là-bas en haut. La route, elle monte. Jusqu'à quel niveau? Je sais pas. Donc, on va continuer à monter, ça monte, ça monte, ça monte. Ça ne s'arrête pas. Alors, ici ça monte beaucoup, on va aller voir. Alors les amis, on fait beaucoup de marches, ça fait faire beaucoup de marches, c'est ça, ça fait du bien, c'est du sport hein, la marche. Donc ici, vous voyez, il y a des habitations, normalement c'est censé être une route, là vous voyez, ça s'arrête là, alors pourquoi ça s'arrête là, je ne sais pas. En tout cas, ici la commune doit mettre une route qui monte jusqu'aux habitations. C'est comme ça. Et là, vous voyez ce qu'il a fait. Il a mis des sacs de ciment compacts. Mais ça ne fera rien. Ça ne fera vraiment rien. C'est le calvaire. C'est le calvaire pour ceux qui habitent ici. D'accord. Ça continue jusqu'en haut. D'accord. C'est vraiment le calvaire. Pour ceux qui vivent ici en hauteur. Ils sont pas aidés. Donc en face, vous pouvez voir Sada. Je vais vous montrer Sada. D'ici, on peut voir le village de Sada. Je rappelle Sada, on a déjà fait une immersion à Sada. Donc vous pouvez taper sur la barre de recherche de Zocol TV, vous pouvez taper immersion Sada, vous allez tomber sur le live. Pour ceux qui ont envie de voir, vous allez tomber dessus. Ça va mal. Coucou, ça va toi? Viens. Allez, ne viens pas sur la route. Hein. Alors, petite route de terre. Ici, on a une route de terre. Salam alaikum. Alors ici, on a Chikoni. Chikoni, la zone qui est plus bas. Il n'y a pas de lieu à Paris. Où tu n'as pas de bonnes? Ah, tu as mauvais rahon. Bah, tu as une brasse à la couronne à Oulébé. Ah, je suis que tu n'as pas. Ok.
Alors en face là-bas, on a Sada. Vous voyez Sada d'ici. Alors là, d'ici, on va apercevoir Sada, le village de Sada. Alors, on va se mettre comme ça. Vous voyez, Sada au plus loin, c'est Sada qu'on voit d'ici. Hein. Quand on est à Chikoni, voilà, vous voyez, Chikoni et Sada en face. On voit bien. Donc voilà, je vais prendre les petits chemins, d'accord? Alors, on va pas passer par ici, je vais passer par l'autre côté. Ah, Nisfilme. Bon alors, il y a des escaliers ici. Miwa tinu an bako miwa. Manyo kasulima vanu. Et ouais, déjà, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit. Allez, on va prendre l'escalier. On va descendre. Allez, on partage les amis, partagez le live. Partagez. Je vous demande de partager. Alors, on est près du stade. Je vais basculer l'autre côté du stade pour aller vous montrer le stade de Chikoni. On va aller le voir de maintenant, mais il y a des marches, il y a beaucoup de marches. Bon, Djema, tu es au Cassinziro? Cassinziro, je suis. Cassinziro. Zanziro, Cassinziro. Cassinziro. Ah, Zanziro. A Cassino, Djibo. Anabé, quoi, c'est trop bon. Djema, carasse, mon nom est bon. Bon, alors on va aller vers le stade. Là ici on a une petite place ici. Il y a les jeunes.